Bonjour, alors imaginons que je te demande de calculer cette opération-là. 2 moins 1,2. 2 moins 1,2. Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de faire ce calcul et puis on se retrouve. Alors, il y a plusieurs façons de faire ce genre de calcul. Une première façon, ça serait de se dire, bon ben, ce que je dois faire finalement, c'est 2 moins 1,2. Mais 1,2 c'est 1 et... 2 dixièmes. Donc, il faut que j'enlève 1 et que j'enlève aussi 2 dixièmes. Donc, l'opération, finalement, c'est 2 moins 1 moins 2 dixièmes. Et 2 dixièmes, eh bien, c'est 0,2. Alors, évidemment, si on voit les choses comme ça, eh bien, ça, c'est assez facile à faire. 2 moins 1, 2 moins 1, ça fait 1. Et donc, l'opération que je dois faire, c'est 1 moins 2 dixièmes. 1 moins 0,2. Alors, pour faire ça, si tu n'es pas très habitué à ça, tu peux te dire que 1, finalement, 1 c'est 10 dixièmes. Je vais l'écrire comme ça, c'est 10 dixièmes. Et puis je dois soustraire de ces 10 dixièmes 2 dixièmes. 0,2 c'est 2 dixièmes. Donc finalement j'ai 10 dixièmes moins 2 dixièmes. Évidemment si j'ai 10 quelque chose moins 2 quelque chose, eh bien, ça me fait 8 de ce quelque chose, donc ici 8 dixièmes. Et bien sûr, 8 dixièmes, et bien ça fait 0,8. Donc finalement, l'opération, je vais écrire le résultat ici, c'est 0,8. 1 moins 0,2, ça fait 0,8. Donc 2 moins 1,2, finalement, ça fait 0,8. Et donc la clé ici, tu vois, ça a été de comprendre que quand on dit 1, en fait, 1 c'est 10 dixièmes. Hein. On peut regrouper l'unité qui est là en 10 dixièmes. On aurait pu faire différemment, par exemple, en utilisant une droite numérique. Alors, je vais le faire comme ça. Je vais déjà dessiner ma droite numérique. Voilà, ici. Alors, je vais commencer à 0 ici. Et puis, je vais faire des dixièmes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Ça, c'est 10 dixièmes. Donc, tu vois que là, c'est 1. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai encore 10 dixièmes, donc encore une unité. Donc, ici, c'est 2. Et ce que je vais faire pour représenter cette opération-là, c'est partir de 2 qui est ici. Et je vais ensuite soustraire 1,2, c'est-à-dire soustraire une unité et 2 dixièmes. Alors, si je soustrais une unité, je vais me retrouver à 2 moins 1, c'est-à-dire à 1. Là, c'est quand je fais moins 1. Et puis à partir de là, il faut que je soustrais encore 2 dixièmes. Donc 1 dixième, 2 dixièmes. Voilà. Et j'arrive ici. Alors ce nombre-là, on peut compter ce que c'est. Hein. Je vais le faire à partir de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai ici 8 dixièmes. Donc ça, ce nombre-là... Ici, c'est 0,8, 8 dixièmes. Donc tu vois, ça peut être très utile, hein, si tu es un peu perdu, d'utiliser aussi la droite numérique pour représenter l'opération que tu as ici. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à remarquer aussi, puisque là, on est en train d'élaborer plusieurs stratégies pour faire le même calcul, c'est de visualiser la différence de 2 moins 1,2 sur cette droite directement. Alors 1,2, il est ici, c'est 1 et 2 dixièmes, il est ici, ça c'est 1,2. Et donc la différence, eh c'est toute cette partie-là, toute cette partie-là ici. Et cette partie-là, tu peux compter combien elle représente de dixièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est bien 8 dixièmes, c'est-à-dire 0,8. Je te propose maintenant d'essayer de faire ce calcul-là. 3,8 moins 1,5. Alors, comme tout à l'heure, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, et puis on se retrouve. Alors, on peut procéder avec la même idée que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ici, on peut se dire qu'on va faire déjà 3 moins 1, 3 moins 1. Ensuite, on a plus les 8 dixièmes qui sont là, donc plus 0,8, et il faut encore enlever, ici, on n'a enlevé que 1, il faut enlever 1,5 en tout, donc il faut encore enlever... 0,5, 5 dixièmes. Donc regarde bien ce que j'ai fait ici, j'ai 3,8 moins 1,5, j'ai fait 3 plus 0,8, donc ça c'est 3,8, moins 1 moins 0,5, donc on a bien enlevé 1,5 en tout. Alors on va faire les calculs maintenant qu'on peut faire, 3 moins 1 ici, ça ça fait 2. Et puis ici, donc 0,8 moins 0,5, c'est 8 dixièmes moins 5 dixièmes. 8 dixièmes moins 5 dixièmes, ça fait 3 dixièmes, c'est-à-dire 0,3. Et donc là, on a terminé. 2 plus 0,3, bien sûr, on peut l'écrire comme 2,3. Allez, on en fait encore un, peut-être un petit peu plus compliqué. Disons qu'on va essayer de faire ce calcul-là, 4. ,1. Et 5 dixièmes, donc 4,5. Moins 2 et 8 dixièmes, donc moins 2,8. A toi de jouer, mets la vidéo sur pause et puis on se retrouve. Alors, on va le faire ensemble. Donc, on peut utiliser la même idée que tout à l'heure, c'est-à-dire déjà s'occuper des unités. Alors, on a 4 moins 2 déjà. Et puis plus 0,5, puisqu'ici on a 4,5, donc il faut ajouter les 5 dixièmes. Et puis par contre soustraire les 8 dixièmes qui sont là. Moins 0,8. C'est bien 4,5, moins 2,8. Alors 4, moins 2, ça c'est facile à faire. 4, moins 2, ça fait 2. Et puis ici par contre, on va avoir un petit problème. 5 dixièmes moins 8 dixièmes. Alors le problème c'est que si j'ai 5 dixièmes, je ne peux pas enlever 8 dixièmes. Alors comment est-ce qu'on peut faire Bien, Il y a plusieurs façons de penser à ça. Alors je vais reprendre ici, ça c'est 5 dixièmes. Et puis là, j'ai 8 dixièmes. Alors ce que j'ai dit c'est que je ne peux pas enlever 8 dixièmes de 5 dixièmes. Donc l'idée, ça serait, enfin une des idées possibles, c'est de se dire, bon, ou est-ce que je peux reprendre, retrouver des dixièmes en plus pour avoir plus de dixièmes ici Alors, le truc que tu connais déjà, parce que tu l'as déjà utilisé, c'est qu'on peut essayer de prendre des dixièmes ici, puisque on sait qu'une unité, c'est 10 dixièmes. Et en fait, ce 2 qui est là, eh bien, je peux le voir comme 1 plus 1, 2, c'est 1 plus 1, ou bien même comme 1 plus 10 dixièmes. Finalement, mon opération, je peux l'écrire comme ça, c'est 1 plus 10 dixièmes, donc ça c'est les 2, plus les 5 dixièmes qui sont là, plus les 5 dixièmes qui sont là, et je dois soustraire les 8 dixièmes qui sont ici. Et là tu vois que c'est beaucoup plus facile, alors j'ai 1 toujours, plus, alors 10 dixièmes plus 5 dixièmes, ça fait 15 dixièmes, et puis je dois enlever les 8 dixièmes, ça fait 7 dixièmes. Tout ça ici, c'est 7 dixièmes. Et donc tu vois, on a terminé puisque ici, on peut donner le résultat de l'opération. C'est 1 plus 7 dixièmes, c'est donc 1,7. Alors je peux te montrer une autre façon de faire ce calcul, qui est celle que j'utilise moi en fait quand je fais le calcul de tête. Je vais écrire comme ça 4,5. Et je ne vais pas enlever 2,8 tout de suite, je vais enlever 2,5 d'abord. 2. Deux. Donc je vais faire 4,5 moins 2,5. Et bien sûr, puisque je dois enlever en tout 2,8, il faut que j'enlève encore 3 dixièmes, hein, 0,3. De cette manière-là, enfin, je trouve que cette opération-là est plus facile à faire. Et une fois que je l'ai faite, après, j'ai juste à enlever 3 dixièmes au résultat. Donc ici, si tu veux, on peut le faire. 4,5 moins 2,5 ça fait 4 moins 2, donc 2, et puis 0,5 moins 0,5, ça fait 0. Donc finalement, ça, ça me donne 2, et puis je dois enlever à ce 2 les 3 dixièmes. Et ça, c'est assez facile à faire. J'enlève un dixième, je suis à 1,9, 2 dixièmes, 1,8, et 3 dixièmes, 1,7, et je retrouve le résultat de tout à l'heure, c'est-à-dire 1,7. Alors là, si j'ai été un peu plus vite dans cette dernière étape, tu peux le voir aussi comme ça. Hein. Là, j'ai exactement comme on a fait tout à l'heure. Ici, 2, c'est 1 plus 1. 2, c'est 1 plus 1 moins 0,3. Et donc ici, c'est ce 1 que tu peux interpréter comme 10 dixièmes. 10 dixièmes. Et donc là, tu vois que tu as 1 plus 10 dixièmes moins 3 dixièmes, c'est-à-dire 1 plus 7 dixièmes, et on retrouve bien... C'est 1,7.